Yon fwa ankon ap salue pi remersye tout moun ki branche telejounal lan sou televizyon nasyonal d'Haïti aswaya Céline la ki avek nou yon fwa ankon. N'ap demare tout suite et se nan page meteorologik lan kom d'abitud ti avek kolaborateur nou Wilner Polidor. N'ap di Wilner, bonsoir. Mardi 13 mars 2018, se yon plezi pou l'ensemble pou prevision meteorologik jounen an alo koman situasyon e sou basen Karaibla. Nous avons une zone de haute pression qui toujours a maintenu autant venteux sous pays d'Haïti, mais nous avons vraiment fond froid ça qui trouvé lui sous Cuba et l'a commencé à concerner nous à partir de Asuya parce que l'a trouvé lui vraiment sous petit Cuba et à l'avant de fond on a commencé à gagner quelques activités là puis. On a un temps sensible là pour jeudi, c'est un temps qui pratiquement ensoleillé avec vent au cours de journée, mais il y a possibilité pour gagner quelques averses en soirée, si tout sous région dans le pays d'Haïti par rapport avec fond ça qui a décalé et qui est capable de commencer bah, nous quelques activités la pluie, mais c'est la plus faible qui a gagné sous région nord pays d'Haïti, surtout vers le nord-ouest. Alors, pour capitale avec zone qui environ son capitale qui a joué de beau temps, vent avec soleil en journée, et en soirée, il y a possibilité pour gagner quelques petits lapis, mais c'est lapis isolé qui a bien sous capitale là avec zone qui environne Lyon. Nabro température qui a monté jusqu'à 34 degrés pour aujourd'hui, ça veut dire qu'il a fait très chaud au cours de journée et pendant la nuit de l'embral fini, la descend jusqu'à 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est un mer qui agité sous côte sud pays d'Haïti, Jean-Noël sous Katsa, mais Golfe de la Gonave et région nord, c'est peu agité à agité. C'est pour ça que demande capitaine yo un petit précaution dans côte sud pays d'Haïti et pour page astronomique là soleil là a couché jeudi à 6h59 et l'a levé demain matin à 7h00. C'est tout ça de gain pour situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour l'autre page météorologique. Et puis, je nous souhaite annoncer dans le grand titre, ministère de la Défense fait tout le monde connaît, président républicain, Jovenel Moïse, fait nomination dans la force de l'armée d'Haïti d'après engagement te prend dans arrêté 16 à 17 novembre 2017. Nomination fait comme ça, général brigade Sadrak Saint-Il, force de l'armée d'Haïti, chef d'état-major général, colonel Jonas Jean, FADH, inspecteur général. Colonel Jean-Robert Gabriel, FADH, assistant chef d'état-major G1-G3. Colonel Derby Guerrier, FADH, assistant chef d'état-major G2-G4. Colonel Joseph Jacques Thomas, FADH, secrétaire d'état-major général. Colonel Fontaine Beaubien, FADH, membre d'état-major personnel, commandant chef. Nous avons annoncé dans le grand titre tout, grève agent douanier sous route pour joindre une solution définitive. Après Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, mettez sous pied une structure négociation pour pencher sous revendication agent grévistio. Conseiller spécial président République Lan, Guichard Doré, expliquait grave conséquence mouvement ça a gagné sous recette l'État et puis même sous la vie quelques citoyens dans question produits médicaux. Guichard Doré était dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay la bonne plus explication. Ça a un impact, il m'a dit, désastreux sur l'emploi et sur l'activité économique. Ensuite, maintenant, tout, les gagnants des produits alimentaires, vous connaissez le pays à Janier, là, je dis, il y a un produit, c'est importé, n'importe où, qui gagne des conséquences, surtout les produits frais, les produits réfrigérés, et puis, tout qui gagne, il m'a dit, un délai que si on ne pas conserver, il est périssable. Donc ça, c'est des pertes liées pour les agents économiques qui gagnent des transactions pour faire dans douane. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, douane tout gagne en fonction de perception, de prélèvement d'impôts et des taxes pour l'État. Le fait que douane pas travail, gagne, manque à gagner pour le trésor public. Donc on est payé à pas gagner le moyen. C'est que le fait que gagner des difficultés pour entrer des recettes de l'État, ça a des conséquences sur l'engagement de l'État lui-même qui gagne avec l'autre monde. Douane dans tout gain un aspect de protection et mission de défense.
du territoire, parce que ça c'est moi, c'est une fonction qui est plus importante, et souvent on va mettre accent sur ça, c'est que la douane doit protéger la population, et que ce soit protéger contre les produits avariés qui rentrent sur le territoire pour protéger la santé, mais également la protection physique et la protection en termes d'information sur le territoire. Donc ça, c'est une mission de souveraineté que l'État va capter pour jouer avec ça. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, moi, je crois que je dis à tout le monde en compte que en mission comme ça, c'est une mission importante. Et c'est pourquoi que le chef du gouvernement a décidé d'instituer une task force pour travailler sur le dossier douane. Maintenant, ce que le quotidien a fait par le directeur de la douane, qui est l'interlocuteur des grévistes dans cette histoire, mais le gouvernement a pris toutes dispositions nécessaires pour assurer la normalité des institutions. Parce que Gampil Muntou m'a dit ça, qui malade, c'est produit des médicaments que qu'il prend l'autre bord. Qui pouvait venir avec. C'est la douane qui passe de fait que bloqué, il y a un monde qui a mouru dans la ça. Donc il y a non seulement une question de sécurité nationale qui est en péril, mais la douane a une mission tout de protection et d'assurer les suivis même de certains groupes. Parce que des produits qui passaient dans la douane qui pouvaient joindre des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner, ça a gagné des impacts importants pour la société. Et nous pensons que c'est très important, c'est pourquoi que le gouvernement a lancé un appel aux douaniers pour reprendre les activités. Donc c'est vrai qu'il y a des revendications, mais les revendications, en bonne partie là-dedans, déjà satisfaites par le ministère de l'économie. Là, ce ministère-là fait connaître qu'il y a près de 40% d'augmentation salariale qui est baillée. Au contraire, il y a des engagements qui n'ont même pas tenu par rapport à l'État. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que pour toute activité reprenne dans l'attendant, pour que ça permette l'activité économique pays à continuer à aller de l'avant. D'autant que Haïti, c'est un pays qui, par exemple, le monde qui travaille. Les 10% de monde qui travaille, c'est déjà beaucoup pour moun sa yo par rapport à l'autre monde qui va travailler. Ma dit c'est important, mais c'est beaucoup par rapport à l'autre monde qui va gagner dans mer. Donc nous avons intérêt pour nous toute activité reprendre régulièrement à la douane pour toute activité économique qui va continuer. Donc augmentation de salaire là, nous connaît agent douanier autour à réclamer un statut régulier pour yo. Est-ce que l'État haïtien pense à question ça? Est-ce que et l'autre revendication il y a besoin de satisfaction? Qui ça l'État a fait? Bon yo, statut régulier déjà, ils sont des fonctionnaires. Vous savez que le décret de 2005 sur le statut général de la fonction publique, c'est que M. Sayo, il a travaillé dans l'administration centrale de l'État. C'est vrai qu'il y a un lieu d'affectation qui est la douane, mais ils sont disponibles pour la fonction publique sur tout l'étendue du territoire, l'ensemble de la fonction publique. Donc la douane, pour eux, c'est un lieu d'affectation. Ok, faut clair sur ça. Donc, je crois que le ministre de l'économie et des finances l'a bien dit, c'est qu'il y avait un premier draft qui a été rédigé. Ce premier draft a été transmis à l'OMRH, l'Office Management des Ressources Humaines, pour ouais qui s'est fait là. Dans l'abtenir, ben c'est bien plusieurs étapes pour faire. Mais de tout moment, le gouvernement va cap négocier tout avec un bouton en bas gauche. Ok, on peut pas enlever à l'État sa capacité de négociation. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que Monsieur Kyo prenne travail, puis on verra. Donc, ce qui pas que le premier ministre. Alors, le ministre de l'économie et des finances, il dit qu'il a commencé à travailler avec eux. Donc, et puis tout, ils sont des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires comme vous, fonctionnaires au niveau de la télévision nationale d'Haïti, sont des fonctionnaires. Ils ont une responsabilité et que pour contribuer également pour l'État qui a un impôt. D'ailleurs, la loi pénitique d'action, ça, la loi de finances de 2017-2018, en son article 20, qui prévoit des sanctions et des peines contre tout fonctionnaire, agent public qui cap et contrarier l'État pour prélever des impôts. Parce que l'impôt, on connaît si l'État a besoin de ça, des taxes et des droits, il a besoin pour permettre de payer professeurs, pour permettre l'État de gagner engagement. Il y a un autre bagaille tout dans le douane qui fait effet que là, c'est la crédibilité de la signature d'Haïti qu'on met en péril. Remarquez que les entrepreneurs qui ne peuvent pas honorer comment Dieu te fait. Parce que la douane bloquée, il va pas délivrer. Donc, à ce moment-là, à l'avenir, il y a des difficultés pour joindre des contrats, pour bailler les gens qui veulent ce travail. Nous avons toujours été dans le sujet grève l'an qui levait dans la douane, ensemble avec porte-parole association douane haïtien yo, douanier pardon haïtien yo, Michelson Nelson, qui dit yo prend décision si là après diverses discussions yo te gain à autorité qui concernait yo pour permettre employé yo toucher ajustement salaire dans mois octobre 2018 cap vini là. Précision, les douanes t'arrivé gagner yon outil qui est le statut particulier la vienne plus performante. Employé a vu plus motivé, travail que a fait la balle beaucoup plus rapide et l'État a pu rentrer beaucoup plus que ça le qu'on rentré avant. C'est dans optique ça, nous même association des douaniers haïtiens,
nous te prenons courage nous à deux bras pour nous te entreprendre des marches bon côté gouvernement pour nous te parler avec gouvernement pour nous te expliquer la nécessité pour que les doter administration générale des douanes d'un statut particulier parce que nous estimons son institution régalienne qui font un travail particulier dans le pays. Donc nous te fait ça juste pour nous te doter institution des documents ça. Discussion est faite finalement pour nous prouver nation, pour nous prouver gouvernement que nous de bonne foi. Jean nous t'ai toujours dit, nous t'ai toujours ouvert au dialogue. Eh bien, jodi a douanier yo après assemblée générale et discussion avec autorité yo, douanier yo accepté pour faire une trêve pour permettre que gouvernement li gen marge de manœuvre nan mel chef gouvernement que statut particulier a déjà nan mel nan et primature pour que OMRH aille très vite parce que nous dit n'a cherche une solution durable, c'est pas une solution cosmétique, faut que nous permettre avec OMRH que le fait travail pour permettre que nous doter pays a de un outil pour que le capable doit nan ka répondre avec véritable mission. Michel Son, Nelson Tenan micro, Anne-Marguerite Auguste ak Michaud Joseph. Notez annoncé le tout, commission commerce chambre députée a rencontré jeudi mardi 13 mars lan ak ministre commerce lan Pierre-Marie Dumeny. Dossier contrebande, interdiction kek produits dominicains sous marché a ak décision pour toute transaction kap fait en Haïti, fait en goudes, te nan mitan discussion yo. Président commission, député Franck Lauture, fait connaître l'État haïtien perdu environ 500 millions de dollars sorti 2015 rivé 2017 nan question contrebande lan. L'État haïtien doit prendre responsabilité devant situation ça. On suivi un extrait nan micro confident Fedner ak Moïse Wilbridge qui était sous place. Il était question de voir avec le ministre un ensemble de questions qui fait problème dans la société, notamment la problématique de la contrebande. Nous tous connaissons déjà qui sa contrebande représentait en termes de problème et le ministre avait souligné que de 2015 à 2017, ça que le pays a connu comme manque à gagner, l'île de l'ordre de 500 millions de dollars américains, rien que par le fait de la contrebande. Nous te parlons tout de l'état d'application de la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre des 23 produits dominicains, parce que le constat est que en dépit de la mesure d'interdiction d'importation, produits sahayos ont envahi le marché national là, au grand désavantage de la production nationale, et en pile là-dedans ont contribué à dégrader l'environnement. Et question qui t'a suscité beaucoup plus d'intérêt, c'est la dédollarisation de l'économie nationale. Et en pile député t'a réagi à cette question. Et nous sommes capables de constater que depuis après arrêté qui obligeait acteurs économiques à libérer en goutte les transactions effectuées sur le territoire national, nous assistons à une inflation rapide du taux de change. Donc avant, nous avions un dollar qui était changé à 63 gouttes. Jodi à la, non seulement il passait à 66 gouttes, mais il y a une anarchie totale dans la détermination du taux. Il y a des acteurs qui fixaient à 66 gouttes, il y a qui allaient jusqu'à 70 gouttes. Et nous-mêmes, nous disons dans la commission hein, que ça ne sert à rien de libérer un goutte. Si les gens qui libérer un goutte, ils ont l'attitude pour le fixer tôt que le voulait. Donc, ils sont capables de libérer un goutte pendant que ouap, mettait l'équivalent de dollars qui allait jusqu'à 70 gouttes. La commission estime que ce n'est pas normal du tout et en termes de recommandation, la commission demande au ministre de faire comprendre au reste du gouvernement que la nécessité d'avoir un task force pour lutter contre la contrebande s'impose comme une juste nécessité. Et c'est ça qu'on attend de ministre. Là. À la prochaine séance, nous pas que pour nous reparler de problèmes ça encore, nous avons regardé qui ça, qu'est-ce qui a été fait, nous avons regardé qui évaluation qui fait de mesures qui étaient annoncées. Toujours dans le sujet ça, ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumeny,
confirmé, l'État a pris toutes dispositions pour appliquer décision pour toute transaction cap faite dans le pays a faite en good. Gagnons circulaire application qui doit publier en 20 longtemps pour justifier décision si là. L'été dans le micro confident Fidner avec Moïse Wilbridge. Nous, au niveau du gouvernement, on est là pour protéger les consommateurs, on est là pour accompagner le peuple haïtien et dans sa quête de musette, et on va tout mettre en œuvre pour que cette mesure soit appliquée le plus vite possible et sur toute l'étendue du territoire de la République. Nous, là, pour nous protéger les consommateurs. Au niveau du ministère du Commerce, on va mettre, on va déployer, à travers toutes les entreprises, au niveau des supermarchés, des brigadiers, afin de s'assurer que les prix sont affichés en gourde. Il y a des lois qui nous permettront de sévir contre tous les contrevenants. Et la loi est une pour tous. Comme disait un vieil adage, périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est une question de principe. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a les circulaires d'application qui sont en train d'être échafaudés. Une fois que nous finissons avec les circulaires d'application, ça, il y a la loi. Et, par exemple, pour prendre un code monétaire, l'article 79, l'article 80, il y a des mesures qui permettent nous de prendre des mesures contrevenant ça. N'a pas poursuivre ensemble avec Banque République d'Haïti, BRH, qui rappelait banque avec l'autre institution financière. Transactions sous compte en devise a prêté Jean Yoyé et puis au pape changé d'après disposition article 2 décret 18 janvier 1990 qui rapportait ça qui n'en 7 juillet 1989 sous devise. Non sans ça, rémunération des poyaux avec retrait fondio doit faite dans monnaie compte l'an d'après modalité gestion compte qui en rapport avec article 2 décret 29 septembre 1989. Prélèvement sous intérêt ak frais tout crédit a fait d'après contrat préyo. Plus loin, BRH mande banque ak institution yo pour respecter disposition dans lettre circulaire numéro 11 dans date 1er juillet sous obligation pour bay prêt consommation en good. En même temps, bénéficiaires transfert yo a continué recevoir l'argent yo en dollars ou sinon en goudes selon des IO d'après lettre circulaire numéro 08 date 9 juin 2011. Pour opération changer l'argent yo, institution financière autorisée yo a fait ça d'après loi yo qui traitait de ça. N'a enchaîné ensemble avec ministère économie et finance qui informait tout ordonnateur et ordonnateur délégué institution publique qui émergeait dans le budget l'État. À partir du mois mars exercice 2017-2018, paiement employé l'État a fait seulement par chèque. Mais il s'apprend d'après une note qui portait signati ministre Jude Alix Patrick Salomon pour permettre plus bon contrôle fait dans paiement agent public yo. Dans sens ça, ministère économie et finance mandé ordonnateur pour prendre toute disposition pour aider mais ici là respecter. On suive. Nous sommes prendre deuxième pause nous dans le journal ça nous retourner qu'on nous pral parler santé pour nous faire connaître. Dans l'occasion Journée mondiale vasectomie, jeudi mardi 13 mars, responsable association pour l'évasion famille haïtienne, Profamil, organise une journée activité pour aider monsieur yo faire vasectomie. En pile garçon qui pas décidé faire petit encore, terrain yo dans Profamil pour faire vasectomie, yon méthode stérilisation kay garçon. On suivit un compte-rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Fresnel Toussaint. Côté une solution pour garçon qui pas veut gagner l'autre petite encore à travers une méthode simple, rapide, sans couteau ni ciseaux, c'est principal objectif. Responsable association pour l'évasion famille haïtienne pour famille à travers journée activité ça, yo réalisé jodi a qui permet plusieurs garçons faire vasectomie.
vasectomie, c'est une méthode planification familiale pour garçon. Il dirait 10 minutes, c'est une méthode définitive. Il n'est pas fait aucun changement dans sperme, sensation et fonctionnement partie génitale garçon, hein, d'après les données spécialistes. On a réalisé des vasectomies pour la population. Je dis assez une célébration de sa nouvelle journée mondiale vasectomie et nous avons avec nous des spécialistes canadiens et américains qui a offert aujourd'hui à la population porto-prétienne surtout opportunité pour bénéficier d'une vasectomie sans couteau, sans bistouri, qui c'est une technique qui est développée depuis 1960 que n'a poussé Kounia dans le département de l'Ouest. Par rapport à ça, nous avons aujourd'hui là, nous avons rendez-vous que nous avons messieurs dans 3 mois parce que selon le principe, il faut que nous retournions dans 3 mois pour nous faire examen ça nous les spermogramme pour nous assurer nous que le liquide spermatique là n'est pas un spermatozoïde là-dedans. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'opération est complètement réussie et là, ça n'a pas remettre un certificat que on vasectomie réussie là pour la famille. Dans l'occasion, un pile garçon qui devine faire vasectomie dans la clinique pour la famille là, dit au satisfait du programme ça, capé au bail foyer direction, contrôler quantité petite y a fait et puis permettre de prendre soin comme ça doit. Participants ça yo souhaité initiateur yo étendre programme ça dans tout pays a. Oui, me passe dans déjà. Oui, me fait déjà. Bon, pour moi, moi tout bagarre en forme. Oui, mettez nous chita nous planifier. Nous planifier, nous parler sur ça et en plus, c'est l'état doit faire mais lui même il pas qu'à faire. Même jugé bon pour nous faire, me faire. Yes. Sans penser de vasectomie. Bon, vasectomie moi c'est une bonne méthode. Alors, il était là déjà, il prend trop de temps avant de l'établir. Parce qu'il était là, oui, mais peut-être il a pris le temps pour être capable de mettre en vigueur comme ça. Sous 30 éjaculations, avec dit sous 3 mois, je suppose retourner, venir où est-ce que tout le bagage est en forme. Immédiatement, en forme qu'on a là, je suppose qu'il y a un certificat dans même qui montre que je suis enceinte fille encore. Responsable pour familio dit au prend engagement pour encourager plus garçons dans affaire planning pendant yo dit y a corré tout garçon qui les fait choix ça. N'a pas poursuivre information et ensemble avec ministère intérêt à collectivité territoriale qui distribue plusieurs motocyclettes dans département l'Ouest by élu dans section communale. Distribution s'il a rentré dans le cadre promesse président Jovenel Moïse te fait à autorité dans collectivité territoriale. En suivant compte rendu à Crodney d'Orléans et puis Henri Robert Chéri. Après département Sud à Grandes PIA, chaque casek section communale dans le département l'Ouest recevra lundi 12 mars la yon motocyclette. Matériel ça pral permettre travail et li nan collectivité territoriale yo fait pi bien. Moi commencer déjà dans le département sud, moi faire la tendance. Pas pour qui raison on pas continuer son promesse pour me faire me remettre personnellement. Moi même dans 10 départements yo moto yo à chaque casek. Parce que c'est un engagement que le président de la République a pris, son engagement que l'administration Moïse a pris en prend. Son engagement que le gouvernement auquel m'a appartenu prend, son engagement que serviteur fait de promesse ça que le président a pris en décembre dernier pour lui matérialiser. Et c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui connaissons en dedans. Équipe là, cabinet, équipe MICT, direction collectivité territoriale, fait l'attaque. Bonne Fenaka, 10 présidents d'association départementale, président Fenaka, c'est nous-mêmes qui connaissons misère que nous passons pour que ça réalise, pour que promesse ça qui était prise en décembre, pour que nous matérialisions plus de 2 mois après. Développement, renforcement section communale que nous-mêmes nous représentons. Je dis, et ça fait. Sa cérémonie qui va se faire là jeudi, c'est très symbolique. Il a une importance fondamentale. Parce que jeudi, nous allons procéder tout le monde à distribution et remise de clés à Kazek. Et ma note, moto ça, c'est moto travail nous lié. C'est moto collectivité à lui. C'est moto prendre soin, pas craser. Faire le travail dans l'intérêt de la population.
Réalisation projet ça, c'est résultat Chita Palais qui était fait dans date 30 décembre 2017 là, entre responsable Fenakayo et président République là, Jovenel Moïse, qui honorait promesse li à travers ministère intérieur et collectivité territoriale. Je dis à quel promesse qui fait dans collectivité, c'est un grand montage financier historique des bagages qui pas j'en fait. Qu'a fait là, de concert avec le ministre Finance, de concert avec Banque République d'Haïti et des banques privées, alors je dis des banques d'État. Ok, vous voulez citer BNC précisément, pour intérêt collectivité, pour que des grands engagements, des gros promesses que le président de la République a fait prendre envers collectivité, que vous renforcez, que vous gagnez. Section communale dans le département Sud, Grandens, Akloès, déjà recevoir motocyclette Payo. Département Nord, Nord-Est, a bien pour recevoir même matériel sa yo pendant semaine sa. N'a pas retourné dans page santé encore pour nous faire connaître environ 600 millions de monde souffrent insuffisance rénale dans le monde d'après déclaration docteur Jacques Jeudi qui est responsable service dialyse dans l'hôpital Ofatma. Dans le cadre d'une interview li accordée télévision nationale d'Haïti, docteur en fait connaître majorité moun qui fait maladie si là mourir à cause information yo pas gagné ak moyen yo qui pas permet yo aller l'hôpital en Haïti. Pendant passage yon équipe télé à l'hôpital là, nous té rencontré Ludner Eliska qui c'est youn nan moun qui fait insuffisance rénale. On suive qui j'en satéye dans un reportage avec John Herbie Casseus et puis Henri Robert Chéri. Ludner Eliska, c'est Mounaska Oubas. Il a environ 15 mois depuis qu'il souffre d'insuffisance rénale, ça a eu les maladies rien. Ça n'a pas filtré dans le col à cause de rien qui n'est pas capable de jouer au comme ça doit. Chaque 3 jours par semaine, Ludner Eliska est obligé de rentrer à Port-au-Prince pour aller faire dialyse. Il y a un processus qui permet aux médecins filtrer sans à partir de machines qui fait pour ça. Je suis obligé de respecter, je vois par exemple, je finis faire le jour de là, demain si je veux, bah, le WC comme si je ne battais pas là. Mais après demain, on commence à sortir des malaises. On va laisser à 20 petits jabots, et se reprendre. Et puis, si je n'ai pas mangé n'importe quoi, bagaille, et ma petite jambe essouffle mal. Donc, c'est ça. Chaque séance dialyse coûte l'Udner 6 000 gouttes. Il fait qu'on est, il dépense presque 75 000 gouttes chaque mois pour faire travailler ça. J'aime commencer à faire, excusez-moi. Dialyse là, le 14 janvier. Je fais janvier, février, mars. Et je toujours continué à aller à Saint-Michel. Mais le seul problème qui vient, c'est que je travaille loin et puis je fais deux jours par semaine. Donc c'est dans une institution privée que je travaille. Donc bon, je suis capable de continuer de travailler. Mais comme c'est une institution privée et je travaille loin, je suis pas d'accord pour me perdre deux jours par semaine. Ancien technicien agricole, Ludner Eliska racontait qu'il perdit job li à cause maladie qui presque prend tout le temps. Citoyens, encouragez l'État haïtien continuer à mettre sans dialyse dans tous 10 départements yo pour faciliter plus malades gain accès à service ça. Comme nous avons l'hôpital à Bien-Malin, on a pas demandé est-ce que le gouvernement n'est pas capable de penser tout pour le faire en décentraliser bagayo. Donc on a mis quelques appareils bien balais pour nous de façon que moun plateau central yo pas besoin de déplacer ici. Selon responsable service dialyse dans l'hôpital Ofatma docteur Jacques Jeudi, 10% de la population haïtienne nan souffre maladie rein yo. Consommation sans contrôle produits alimentaires qui surtout pas gain bonne qualité. C'est une cause de maladie ça en Haïti, selon les spécialistes. Là. Et puis, on a parlé politique qu'on y a pour nous faire connaître une coalition pour libérer militants PHTK, TAC Alielio, organisé mardi 13 mars, une marche pacifique, dans l'idée pour demander intégration militants dans l'administration publique. Là. Militants ça souhaité gain disposition qui prend pour permettre intégrer en vain longtemps administration publique là. Yon extrait nan micro Midray Milias ak Danius Théodore. Continuez demander intégration tout militant
qui ont compétence et capacité pour nous joindre 30% à l'intégration militaire. N'a pas poursuivre avec information yo moment arrivé pour nous jamber dans actualité à sous plan international. Président américain a annoncé mardi 13 mars lan sous compte Twitter li révocation chef diplomatie américaine Rex Tillerson. C'est nouveau directeur CIA Mike Pompeo qui remplace Rex Tillerson dans poste. Président Trump a profité de nommer tout Gina Haspel dans tête agence renseignement. Lycée première femme, directrice agence LAN. Donald Trump voulait gagner une nouvelle équipe pour l'administration LAN avant même processus négociation historique LAN avec la Corée du Nord. Toujours en actualité en sous-plan international, secrétaire défense américain Jones Mattis. Rivé dans Kaboul mardi 13 mars. Visite surprise secrétaire défense américain réalisé dans objectif pour discuter avec Taliban yo qui voulait adresser yo à gouvernement afghan. N'a invité nous suivre un reportage. Dans 23e jour d'assaut sous Ghouta oriental là, États-Unis mandé une autre fois pour déposer armes rapide pour 30 jours. Ambassadeur américain Nikki Haley menace régime Bachar al-Assad là yon intervention si Conseil sécurité Nations Unies pas agi dans sens ça en Syrie. Dans 3 semaines, presque 1200 civils déjà perdu la vie dans opération force régime nan qui joine soutien allié russe là. Les États-Unis paraît pour la justice à temps nécessaire. C'est pas où ça nous préférer, mais c'est l'in apprend et nous déjà prouvé ça et nous paraît pour nous recommencer. Plusieurs localités banlieues rebelles ça encerclées depuis 2013 pour qu'elle y est là pas suspend bombardé. Alors que la Turquie continue à coopération la contre milice Kidyona Afrin, qu'on a parlé la Turquie gagne contrôle 60% ville là. Victime dernière semaine ça dans pays Syrie vient ajouter sous 350 000 monde qui perdit la vie depuis 8 l'année d'après observatoire syrien droit monde. Abdo. Merci Betty, n'a prend dernière pause dans le journal ça, n'a tourner tout de suite. Puis nous retournons pour nous continuer à informer nos amis téléspectateurs. Dernière information dans le journal, ça a fait qu'on a travail construction route Simon dans la ville Okaï, avancé à grands pas. Sorti dans Kafou Simon pour arriver à bon l'église Tabernaclan, techniciens, travaux publics yo mobilisés pour finir et puis remettre travail là dans délai yo te prévoir. Nous suivions un reportage avec Richardson Jourdan et puis Pams Jean-Baptiste. Technicien travaux publics, transport, communication dans la région sud, montré yo mobilisé sous toute route Simon qui trouvait dans la ville Okaï, yon façon pour comment yo capable à travail sur route ça qui te démarré depuis quelques mois dans cadre caravane changement. Gen carnivo cap fait et puis fois route là gen tan fin bétonné pour qu'il y a arrêté 125 mètres seulement qui pour qu'on fini d'après directeur départemental travaux publics, transport, communication sud là, ingénieur dit que la CAM qui bat bravo pour avancement travail ça yo. On gagne 4 équipes qui mobilisent là, on gagne équipe qui a fait béton dans chaussée, on gagne équipe qui a fait caniveau. Nous rete disons 125 mètres bois tabernac de ciment parce que toute grande partie ça grand fin couvrir là avec béton. Délégué départemental sud là Max Serge Daniel qui t'a supervisé travail yo exprimé satisfaction. Et travail yo Jean Wel là nous ciment. Et sur l'autre président de la République nous gagne pour nous bailler travail ça avant 4 avril. Et route ça nous connaît c'est lui même qui mène dans tabernacle de Simon, c'est lui même qui est prêt à gagner convention dans premier semaine mois d'avril là et avant convention faut-il bien que route ça allait fini. Uniscad Joseph qui s'est casé premier section au Kay exprime contentement le tour pour construction route ça qui va faciliter citoyens dans zone là mener puis bien activité yo. Et route ça qui a fait là c'est la Kay moins et son plaisir pour nous gagner route ça jodi avec nous. Et longtemps t'a gourmé pour nous te gagne route ça et effectivement nous gagne route là qui censé à 100% réussi presque à 100% réussi. Autorité yo bail direction départementale travaux publics transport et communication sud délai 4 avril pour finir à travail construction route Simon au Kaila. Cependant à la tête direction départementale travaux publics là quoi l'a gueta remettre travail là fin mois mars cap venir là. Merci, Pemps et Richardson.
Et puis avant nous aller dans fait qu'on est gentil deal dans grand titio tout groupe cap appuyé rapatrié à réfugié gare condamné situation violence qu'a produit dans localité Pédernal dans République Dominicaine après la mort deux agriculteurs dominicains 26 février qui sont passés à Yo longe douette sou yon migrant haïtien qui ta gen mel trempé nan zak assassinat de dominicain Silayo. Face à situation Sila, gare mande autorité nan gouvernement chita pale ak autorité dominicaine yo yon façon pour éviter plus affrontement nan mitan de peuple yo. On suivi un reportage avec Sainte-Croix Paki. Groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié gar di li genyen gros inquiétude face à situation violence cap répété dernier jour sa yo nan ville frontalière Pédernal en République Dominicaine. Responsable communication galan Gérald Saint-Ville Lebin déplorer la mort de dominicain nan date 26 février passé a côté yo accusé yon migrant haïtien qui ta impliqué nan action criminelle sa. À l'origine de situation de panique sa, c'est un couple dominicain et d'abord gen Julio Perez qui âgé de 68 ans, qui est arrivé assassiné à coup de machette, qui était dans date qui était 19 février 2018 là, et compagnie qui c'est Neida Ubaes, qui était grièvement blessé et qui t'a finalement mouru samedi dimanche là. Ça t'a pas créé une situation de révolte, bon côté des civils dominicains qui t'ont pris la rue. Et qui te baille un ultimatum de 24 heures pour tout haïtien qui te ville là. Et ça te crée une situation de panique. Côté où tu as attaqué monde, battu monde et en plus monde t'a entré. D'abord, nous avons des soldats dominicains qui t'a mené monde venir, mais des monde qui t'a entré par propre moyen pour échapper avec action de représailles dominicains. Nous, même au niveau de gars, non seulement nous condamner meurtre là, puisque selon des témoignages, t'as gagné deux haïtiens qui suspectent la donne, qui tap travail sous ferme coupe ça, qui en fait selon Mounio, c'est eux-mêmes qui t'a fait action et yo en cavale là du côté d'Haïti. Alors nous condamner meurtre là et peu importe qui essayer qu'il s'agit des dominicains ou des migrants que de l'état yo entendre pour regarder comment yo ka collaborer pour retracer vrai coupable et fait que représenter devant la justice. Mais tout nous condamner toute action de violation qu'a faite à l'égard de communauté haïtienne sous prétexte que c'est des compatriotes, des ressortissants haïtiens qui t'a impliqué dans meurtre et pour faire des victimes payer pour coupable. Yon l'autre côté, responsable organisation k'ap défend droit moun yo mandé autorité concernée yo pour prendre disposition pour recommencer à programme national régularisation pour migrants haïtiens yo. Pour question prolongation qui était bail dans cadre et PNRE 4 de résidence provisoire là nous connaît à partir de juin 2018 cap vini là même situation inquiétante là pral vini mais qui ça qu'a fait au niveau de l'état pour anticiper pour joindre des accords qui ca permettre que gétant prévenir des situations nous pas connaît pour joindre une solution dans mouvement violence dans mitan de peuple groupe d'appui rapatrié à réfugié gar souhaitait autorité concernée de pays yo chita parler dans l'idée pour joindre à définir plus bon moyen cap aider de peuple yo entreprendre bon genre relation. Président République Lan, Jovenel Moïse, nommé membre état-major Force l'armée d'Haïti, d'après un communiqué ministère Défense, fait sortir jeudi mardi. Grève l'enlevée dans la douane, décision s'apprend après diverses discussions grévistes gagnées à l'autorité pour permettre employés de toucher ajustement salaire dans le mois octobre 2018, Cap Vinila. Commission Commerce Chambre députée a rencontré mardi 13 mars l'an, ministre Commerce et Industrie Pierre-Marie Dumény. Dossier contrebande, interdiction quelques produits dominicains sous marché a décision pour toute transaction qu'a faite dans le pays a fait en goudre t'es non mi-temps discussion yo. Groupe cap appuyé rapatrié à réfugié yo gare
attirer attention autorité sous situation violence qu'a produit dans localité Pédernal dans République dominicaine après la mort deux agriculteurs dominicains 26 février passé à gare espérée intervention qui faite pressé. Actualité en l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump a annoncé mardi 13 mars là sous compte Twitter li révocation chef diplomatie américaine non Rex Tillerson. C'est ancien responsable CIA Mike Pompeo qui remplaçait Rex Tillerson dans poste ça. Président Trump a annoncé en l'autre bord nomination Gina Haspel dans tête CIA, c'est première femme qui nommait non poste ça. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sorti journal pour semaine ça dans présentation c'était Linela. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour te river rendre possible et puis n'a souhaité nous toutes une très bonne fin de soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.